messagère d'été pour le mois de juillet et septembre. En fait, quand on étudie le droit, on n'a aucun cours obligatoire qui nous vraiment nous met dans la pratique. J'ai donc opté pour faire volontairement un stage été et j'ai opté pour ce cabinet-ci. En fait, qu'est-ce que je fais ici, c'est j'écris des avis pour certains clients. J'ai aussi écrit une conclusion. D'autres avocats me demandent souvent des conseils et finalement, comme je suis bilingue, je peux faire des traductions français-néerlandais, néerlandais-français ou même vers l'anglais. En fait, le bureau Tilman van Hoogement m'a vraiment permis de faire le premier pas dans le monde des avocats. Quand j'étais à la recherche d'un stage été, plusieurs bureaux m'ont proposé un stage, mais finalement j'ai quand même opté pour Tilman van Hoogement. Il y avait au moins trois raisons pour ça. Premièrement, j'ai eu un contact très facile avec Philippe pendant mon interview. Deuxièmement, j'ai vraiment aimé l'idée qui reflétait sur leur site. Et troisièmement, je connaissais une fille qui a fait un stage ici auparavant et elle m'a raconté son expérience super positive ici et ça m'a vraiment convaincue. J'aime vraiment ici, c'est l'ambiance qui règne dans le bureau. Dès qu'on rentre, on sent vraiment la jovialité, la sympathie des autres avocats. Aussi, la pause du midi, c'est vraiment un moment où on se retrouve tous ensemble dans la cuisine. D'abord, on va faire nos courses ensemble, ensuite on mange un sandwich. Souvent, la pause dure plus longtemps que normal parce que c'est vraiment sympathique de parler avec tout le monde. On peut papoter de tout et de rien. Si vous avez l'opportunité de faire un stage dans ce bureau, faites-le. Vraiment, c'est vraiment une expérience de dingue, c'est super chouette. Dès que vous rentrez ici, vous allez vous retrouver sous l'aile de l'un ou l'autre avocat qui va s'occuper de vous, qui va vous donner des travaux. Et tout est vraiment préparé, on prépare des travaux, on sait exactement comment il faut accueillir des stagiaires. Vraiment, c'est vraiment une très bonne expérience et n'hésitez surtout pas à le faire.